Le Grand Parc de la Briantais est un domaine de 27 hectares surplombant l'estuaire de la Rance, situé dans le quartier de Saint-Servant à Saint-Malo. Le château, aujourd'hui au sein du parc, a été construit à partir de 1850 en remplacement d'un vieux manoir du XVIIe siècle. En 1999, la propriété est acquise par la ville de Saint-Malo qui en assure l'entretien, l'ouvre gratuitement au public et invite au repos et à la détente. Ce site d'exception est une pièce maîtresse du patrimoine malois, tant par sa beauté que par sa richesse historique. Duguay-Trouin, Châteaubriant et tous les Malouins ont un jour ou l'autre succombé au charme de ce parc. Le domaine regroupe sur ses 27 hectares le château, la chapelle Sainte-Trinité, la statue de Menton, le temple de Cupidon, le vieux château, la statue de Diane, une conciergerie ainsi qu'une ferme. Le parc sur la pointe de la Briantais surplombe l'usine marémotrice de la Rance et offre une vue sur la baie de Saint-Malo, sa tour Solidor ainsi que sur Dinard. Le parc de la Briantais nous offre des parcours d'orientation permanents grâce au fonctionnement de balises. Trois parcours de trois niveaux différents y sont proposés, ainsi que deux parcours numériques pour découvrir le patrimoine. Nous pouvons aussi profiter d'une promenade dans le parc de la Briantais pour admirer les différentes sortes de fleurs et d'arbres, tous plus beaux les uns que les autres. Une balade dans ce parc est une source de détente bercée par les doux bruits des nombreux oiseaux chantant toute l'année dans ce domaine. Le domaine est ouvert au public tous les jours et toute l'année, de 9h à 19h. N'hésitez plus et venez dès maintenant découvrir ou redécouvrir ce parc, aussi riche en patrimoine historique que naturel, dans une atmosphère de détente et de sérénité. À bientôt.